Arrêter sa voiture pour téléphoner ne permet pas d'échapper avec certitude à une verbalisation et un automobiliste peut être sanctionné pour l'usage du téléphone tenu en main même s'il est en stationnement. Toutefois, pour qu'une voiture arrêtée, moteur coupé, soit considérée comme en circulation, il faut, selon cette jurisprudence, qu'elle se trouve sur une voie de circulation, et non sur une place de parking. En l'espèce, le conducteur est égaré, avec ses feux de détresse, sur la voie de droite d'un rond-point peu passant, ce qui est une voie de circulation, et observe les juges. Ils admettent qu'un automobiliste en panne puisse se servir de son téléphone, même s'il est arrêté sur une voie de circulation.